Dieu, viens à mon aide. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi, 11e semaine du temps ordinaire à Nébé. Lui par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Marcel Bédébé, de la Société des Missions Africaines. Commenté par le père Mathias Wedakor, de la Société des Missions Africaines. Thank you.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 8, versets 1 à 9. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésor de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens et davantage même, j'en suis témoin. Spontanément, avec grande insistance, ils nous ont demandé comme une grâce de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements, et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 145. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis, chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui renferme. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia.
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il était dit, « Tu aimeras ton prochain » et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'effort nous rend fort, dit-on, et la persévérance en toutes choses est une qualité que tout chrétien doit rechercher. Ne pas faire comme les autres est bon, car il faut avoir une raison d'agir. Mais faire plus que les autres est mieux et est à encourager. Jésus aujourd'hui nous invite à faire plus que les autres. En Matthieu chapitre 5, verset 20, Jésus va plus loin en disant ce qui suit. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Autrement dit, frères et sœurs, nous devons faire un dépassement. Faire plus que les autres et avoir une raison de le faire et de bien le faire. Jésus, dans son enseignement aujourd'hui, met l'accent sur l'amour des ennemis. En effet, il ne s'agit pas seulement de les aimer, il faut aussi prier pour ses ennemis. Frères et sœurs, avouons que ce n'est pas facile. Toutefois, cela n'est pas non plus impossible. C'est parce que c'est possible que Jésus nous le propose. Et il nous propose cela comme un moyen de perfection, une perfection que nous devons atteindre, tout en comptant sur l'aide de l'Esprit-Saint. Nous devons être bons, mes frères et sœurs. Nous devons être généreux, tout comme le Père. Et nous ferons mieux d'être identifiés ou caractérisés par la générosité, laquelle générosité ne marque pas de distinction entre les hommes. C'est cette générosité que saint Paul
recommande dans la première lecture que nous avons entendue. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, il est écrit ceci. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frères et sœurs, la générosité, la charité doivent aller au-delà du matériel. Parfois, il y a de nos frères ou de nos sœurs qui sont frustrés parce que ils reçoivent d'autres biens ou d'autres aides en dehors du matériel, en dehors de l'argent, disons-le clair. La générosité ou la charité ne se limite pas à partager l'argent, mais cela va au-delà. C'est se donner et donner avec cœur. Et Mère Thérèse de Calcutta disait ceci, « Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. » Mes frères, mes sœurs, que devons-nous donner? Que faut-il donner? Demandons à l'Esprit Saint de nous venir en aide pour que nous puissions donner ce que nous sommes et ce que nous avons. Donner le meilleur de nous-mêmes pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que le Seigneur nous bénisse maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.